au cœur de la forêt de Compiègne, résonne. La musique de Jean-Sébastien Bach prend une autre dimension, pour le plus grand plaisir de ces randonneurs festivaliers, ébahis. Je suis avant tout accroché par la musique classique dans les lieux traditionnels, mais je ne ferme pas la porte à des endroits comme celui-là. Je trouve que la communion des deux est parfaite. Ah, c'est particulier. Voilà. J'ai déjà assisté du violoncelle, dans le cadre du Festival des Forêts. Voilà. Super agréable. Depuis le 15 juin dernier, ce Festival des Forêts offre aux spectateurs un véritable bain de nature musicale. Seul bémol, avec la chaleur et les moustiques, pour les artistes, pas toujours facile d'exercer leur art. Il faut mouiller la chemise. C'est des conditions assez difficiles. Pour sonner, on a tendance à plus forcer pour communiquer notre expression. Donc en extérieur, c'est beaucoup plus dur de jouer. Mais le plaisir est là. Ah, le plaisir est là et c'est une bonne expérience parce qu'il fait très chaud. On a soufflé aussi, donc on va repartir d'aïe-d'aïe, regonflé à bloc. Pour terminer, une balade d'une dizaine de kilomètres le long de la clairière où fut signé l'armistice. À l'occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre, le festival s'associe à l'événement. Son thème choisi, tempête et accalmie. Il faut rappeler qu'en 1918, armistice, période de paix, à nouveau guerre, à nouvel armistice. Et puis, vous savez qu'on a commencé le festival avec un concert pour l'Europe pour célébrer qu'elle avait apporté la paix. Concert intimiste, comme ici dans l'église paroissiale de Rotonde, chorale symphonique ou randonnée musicale, vous avez jusqu'au 15 juillet pour plonger dans la magie de ce festival unique.